vous m'entendez? Ici le secrétariat du royaume des cieux. Oui, je m'en doutais un peu. Mais là, je ne vous reçois pas très bien. Un instant, s'il vous plaît. Et là, ça va mieux? Oui, ça s'améliore. Bon, ne quittez pas. Je vous passe le bureau de Sainte Marguerite. Pourquoi tu ne peux rien? Peut-être c'est normal. Jeanne? Oui, c'est moi. Oh, je suis contente que vous vous souveniez de mon existence, belle dame. Hé, ça fait un bail. Oui, Jeanne, ça ne te rajeunit pas. Oui, bon, je suppose que si vous m'appelez, ce n'est pas pour me parler du bon vieux temps. Jeanne, tu te rappelles notre dernière discussion? Oui, vaguement. Comment ça, vaguement? Jeanne, ta mission s'est terminée en 1431, Jeanne. Plus de 30 ans ont passé, Jeanne. Et tu veux toujours bouter, Jeanne. Mais cela n'a que trop duré, Jeanne. Regarde, Jeanne. Regarde donc à l'est, sur les gradins célestes. Regarde ces élus. Ils ont bien mal au cœur, devant tant de rancune. Regarde-les bien, Jeanne. Ils ont hâte qu'enfin cette pièce s'achève. Jeanne, Jeanne, accepte enfin la paix, consent à cette hymen. Oh, belle dame, je ne suis plus celle que je fus. Oui, je deviendrai franglaise et je vais bouter de mon cœur toutes mes rancœurs contre la fière Albion. Va en paix au nom de Marie, Jeanne. Hey, vous avez entendu la même chose que moi? Alors moi, ça me scie. Moi, ça me sèche. Oh, Majesté, mon gentil sire, souverain de France-Angleterre, oh, je vous offre en épousaille ma fille, Anne-Louisette. Bravo! Bravo! Merci, mes amis. Merci. Mais c'est une blague. Je l'attends. Oui, c'est une blague. Je l'attends aussi. Bien que damoiselle Anne-Louisette déborde de qualité, ce n'est pas avec elle que je vais me marier. Non, ne pleurez pas. J'ai juste dit ça comme ça, pour rigoler. En vérité, c'est avec mon ami, Maître François, que je vais me marier. C'est impossible. Nous connaissons très très bien l'évêque de Westminster. Ah ben oui. Et il pourra jouer sa clause de conscience. Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Mais bon père, vous assistez ce soir à l'avènement du premier royaume populaire et laïque de Frangleterre. Mais alors moi, Majesté, je pourrais épouser ma Louisette? Oh, mais oui. Non. Ma Louisette. Alors là, on plonge en plein délire. Non, Majesté, si c'était possible, je préférerais que ce soit moi qui épouse Dame Louisette. Oh, Monsieur Josse. Oh, mais alors, on pourrait peut-être se marier tous les trois. Non, pas avec ses aides. Non, merci. Vous fouez du pied le Saint Sacrement. Ah ben vous pillez au fouet ce sacré saint. Alors ça veut dire que moi, Vinichou et Van Kellermans, ça serait possible? Et nous, avec eux, ça serait possible? Mais oui, ça serait possible. Oh là! Car à partir de ce soir, tout est possible en Frangleterre.